Si vous n'arrivez pas à faire décoller les ventes de votre business et que vous vous demandez quelles sont les raisons pour lesquelles les clients ne sont pas convaincus davantage de mon offre, de mes propositions, pourquoi est-ce que les clients n'achètent pas plus de mes produits ou services dans mon business? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 raisons qui vous empêchent aujourd'hui de convaincre vos clients. 5 raisons pour lesquelles les clients n'achètent pas plus aujourd'hui dans votre entreprise. Bonjour, mon nom est Zico Kiaxx, je suis entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiaxx Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 raisons qui vous montreront déjà pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à convaincre davantage vos clients. Et ensuite, quelles sont les solutions, quelles sont les recommandations que j'ai pour vous aider justement à augmenter vos ventes et de faire en sorte que les solutions que vous avez aujourd'hui puissent réellement aider vos meilleurs clients. Juste avant de vous partager la première raison, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, merci infiniment d'être là. Pour ne manquer aucun des prochains partages, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge qui est juste s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. J'en profite pour vous annoncer 2 bonnes nouvelles. C'est que la première, à la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité de fixer un rendez-vous avec un de mes conseillers Kiaxx pour vous aider à impliquer, à implémenter toutes ces stratégies que vous allez découvrir dans votre business. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous pourrez télécharger ici un outil et également voir une présentation en ligne offerte dans laquelle je vous montrerai le modèle de business que nous utilisons pour mettre en application les mêmes stratégies que vous allez découvrir ici dans cette vidéo. Alors cette vidéo s'adresse à vous bien sûr si vous êtes dans un business de la transformation, c'est-à-dire dans le coaching, dans le consulting, dans le conseil, dans la formation, dans la conférence, si vous êtes auteur par exemple, si vous avez une expertise, une solution, un produit, un service qui peut changer la vie ou le business des autres et que vous voulez savoir justement comment faire cette différence. Première raison, activité. C'est la première raison, c'est un manque d'activité. Oui, première des choses, la première des questions que vous allez vous poser quand ça ne fonctionne pas, c'est déjà, est-ce que j'ai suffisamment d'activité? Je rencontre parfois des personnes qui me disent, écoutez, moi je n'arrive pas à convaincre, Zico, je n'arrive pas à convaincre, je n'arrive pas à vendre. Je dis, ok, combien de rendez-vous ton équipe ou toi-même avez eu la semaine dernière? On en a eu un, ok. Les chiffres sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Donc vous ne pouvez pas expérimenter, ce n'est pas votre offre qui n'est pas bonne, on ne peut pas le savoir. Ce n'est pas votre argumentaire qui n'est pas bon, on ne peut pas le savoir. Ce n'est pas non plus votre message qui n'est pas bon, on ne peut pas le savoir. Si vous manquez d'activité, c'est déjà un premier facteur. Vous savez, lorsque l'on veut améliorer son entreprise, ses performances, on ne change pas tout en une fois. On n'analyse pas tous les blocs, on analyse bloc après bloc et surtout on fait des modifications par bloc. Si vous changez toutes les variables en une fois, vous ne saurez pas quelle est la variable qui ne fonctionnait pas correctement. Vous identifiez la bonne variable pour faire le reste. Donc la première des choses, analysez les activités, augmentez le nombre d'activités. Quel est le nombre d'activités dont vous avez besoin dans votre business aujourd'hui pour faire la différence et calculez combien il vous faut de ventes, combien il faut de chiffre d'affaires à la fin du mois. Et pour ce chiffre d'affaires, combien de personnes devez-vous rencontrer? Combien de personnes doivent dire oui à votre solution pour pouvoir justement générer chiffre d'affaires? Sans oublier, bien évidemment, dans votre tête, toujours en mémoire, gardez en mémoire l'impact que vous allez créer, la différence que vous allez faire dans la vie et dans le business des gens. Donc, je pars du postulat, de l'idée même que votre produit ou service fait la différence pour vos futurs clients. Le nombre d'activités. Ensuite, deuxième point, deuxième raison, c'est le manque de connaissances. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. On ne peut pas l'inventer. C'est aujourd'hui, vous êtes en train d'observer cette vidéo, vous avez un certain cadre, il y a des éléments ici qui sont face à vous et vous pouvez vous faire un avis par rapport à ce que je vous partage, par rapport aux idées, par rapport aux messages et au contenu, en fonction de ce que vous avez, ce que vous recevez, ce que vous percevez et ce que vous avez aussi dans votre tête, dans votre expérience passée, dans l'hippocampe, la mémoire qui enregistre les souvenirs, ça vous rappelle quelque chose et donc ça va déclencher toute une série d'informations, toute une série d'éléments qui vous permettra ensuite de vous dire, ok, cette information, je la prends dans tel sens ou je la prends comme ça. Elle m'aide, elle me sert ou pas, différentes façon de fonctionner en fonction de ce que vous avez. Et puis, peut-être que dans un an, vous allez suivre le même partage, le même conseil, dit dans un cadre différent, et vous aurez ajouté des éléments d'information en plus qui vous permettent de prendre, par exemple, des décisions différentes. Vous enrichissez votre base de données. Et on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Le principe même de la progression perpétuelle, de la transformation, c'est que l'on apprend chaque jour. Et la connaissance est importante. Elle ne suffit pas parce que la connaissance, c'est ce qu'on en fait qui sera très important, mais le fait de savoir ce qu'il faut faire, comment faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment, on ne l'invente pas. Aujourd'hui, je rencontre des entrepreneurs, des coachs, des consultants qui sont vraiment dans un blocage financier, qui se disent « Ok, je ne sais pas comment faire pour faire fonctionner mon activité » et vont chercher des petits morceaux ici et là de solutions. Vous avez besoin de puzzle complet. Donc, la solution, faites-vous aider. Apprenez les choses, allez chercher la connaissance. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet et des nouvelles technologies, vous avez comme ça, à poignée de clics, des solutions qui sont disponibles. Des personnes peuvent vous partager leur savoir. Évidemment, comme ici, par exemple, sur cette chaîne, on partage des enseignements stratégiques. Et puis, si vous voyez que même malgré ça, ça ne va pas jusqu'au bout, vous n'arrivez pas à obtenir les résultats qu'il vous faut, vous avez besoin de savoir ce que vous ne savez pas encore. Et pour ça, investissez, par exemple, dans des partages, dans des programmes. Vous n'avez aucune obligation de le faire. Mais à un moment donné, si vous voulez être cohérent par rapport à l'ambition de vie que vous avez pour vous, pour les proches qui sont autour de vous et pour l'impact que vous voulez faire pour les clients, allez chercher ce qu'il vous faut. Donc si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à convaincre vos clients, c'est peut-être parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Il y a une façon de fonctionner pour communiquer et influencer. On ne l'improvise pas. Certains l'improvisent, mais c'est souvent parce qu'ils le font avec talent, c'est-à-dire ils suivent les règles sans le savoir. Il y a une règle que j'ai appris très tôt lorsque je démarrais en business, on disait qu'il y a des gens qui ont moins de talent, c'est sûr, ils doivent le travailler pour augmenter le talent, et puis il y en a qui ont plus de talent au départ. Oui. À la fin, on peut avoir exactement le même niveau. Certainement que l'un devra travailler plus parce qu'il était parti de plus loin et l'autre travailler différemment. Mais dans tous les cas, à la fin, on peut être ex aequo parce que soit là, je travaille plus, soit là, je travaille différemment dans tous les cas. Ceux qui ont moins de talent doivent travailler beaucoup pour arriver à faire les choses avec excellence. Et puis, ceux qui ont plus de talent, ils suivent déjà les règles sans même le savoir. Dans tous les cas, il faut suivre les règles. Savoir ce que l'on ne sait pas, apprendre ce que l'on ne sait pas. Donc la connaissance, elle est là. Apprenez à influencer, à communiquer, ça s'apprend. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai l'opportunité de pouvoir justement découvrir des outils, des méthodologies, des systèmes, notre approche pour voir comment nous faisons. Et ensuite, de vous donner la possibilité d'échanger avec un de mes conseillers Kiaxx pour vous aider à mettre ceci en place. Vous pouvez cliquer sur le i comme info ou le lien dans la description pour pouvoir voir comment ça se présente. Ensuite, troisième raison, c'est la compétence. La compétence, évidemment, si vous ne savez pas faire certaines choses, vous ne pourrez pas obtenir les résultats nécessaires qui vous permettent d'atteindre cet objectif. Ça paraît très logique, très basique. Et pourtant, si aujourd'hui vous vous dites « mais je ne suis pas capable aujourd'hui lorsque je fais 10 rendez-vous, 10 échanges en face à face, par téléphone ou 10 personnes qui viennent pour parler de mes solutions sur mon site internet, je ne parviens pas à signer des contrats, je ne parviens pas à démarrer une nouvelle relation de business ». Ça veut dire qu'en termes de compétences, il y a quelque chose que je n'ai pas encore maîtrisé. Et c'est OK, puisque on peut progresser, c'est une des plus grandes nouvelles du monde. C'est que chaque compétence peut s'acquérir. Et on peut l'améliorer, on peut l'adapter, on peut la faire grandir. C'est au-delà de la connaissance cette fois-ci. C'est de mettre ceci en pratique pour obtenir des résultats. Et donc lorsque vous identifiez ça, votre objectif c'est de vous dire bah, quelles sont les compétences qui pourraient aujourd'hui me servir, où est-ce que je peux aller les chercher. On y reviendra dans un instant lorsque je parlerai des solutions pour chacun de ces points. Quatrième raison, c'est que vous ne savez pas aujourd'hui développer votre influence et votre leadership. L'influence et le leadership. Lorsque vous êtes par exemple en échange téléphonique avec une personne qui veut que vous puissiez l'aider dans vos programmes, dans vos accompagnements, si aujourd'hui vous manquez d'influence et de leadership, ben, vous ne pourrez pas l'aider à prendre une décision. Sachez une chose importante, surtout quand vous êtes dans le haut de gamme, c'est que les personnes face à vous sont apeurées. Lorsqu'elles veulent prendre une décision de changer de vie, elles ont peur. Une peur qui est presque irrationnelle, puisqu'évidemment la peur est souvent irrationnelle, mais là c'est vraiment une peur qui est vraiment très très forte. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu le changement, on ne sait pas ce que c'est et ce que ça donnera de l'autre côté. Donc la personne qui est là, vous échangez avec elle, elle sait que vous pouvez l'aider, elle sait qu'elle en a besoin, elle sait qu'elle ne veut plus rester dans cette situation. Et au moment de prendre sa décision, il y a une peur incroyable qui arrive. On oublie totalement tout ce qui était raisonnable, tout ce qui était réfléchi, cette belle vision d'avenir. On est juste dans la panique totale. Et c'est la fonction principale, une des fonctions principales du cerveau, c'est de maintenir en survie. Donc là, il y a une sonnette d'alarme qui s'active avec l'amygdala dans le cerveau qui lance tout et on est en panique totale. Vous devez donc ici, pour ça, aider la personne avec de l'influence et du leadership à un moment donné à avancer. Imaginez si vous êtes comme ça parent et que vous vous retrouvez dans une situation où votre fils ou votre fille vous dit la situation dans laquelle elle a du mal. Elle n'ose pas monter sur scène pour faire ce spectacle par exemple à l'école. Et ça la frustre, ça lui fait mal, elle a la boule au ventre. Et pourtant elle aimerait le faire parce qu'elle voit tous ses amis le faire. Elle est vraiment en détresse, en panique. Et vous faites tout pour l'aider à développer ça. Et elle vous dit oui j'ai besoin, je suis là pour ça papa ou je suis là pour ça maman, aide-moi. Et puis au moment où il s'agit d'y aller, elle est bloquée, elle est paralysée. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Si vous n'utilisez pas votre influence et votre leadership, vous direz « Ok, retournons à la maison, oublions ça. » C'est finalement elle qui aura réussi à utiliser son influence et son leadership pour vous convaincre que ce n'est pas une bonne idée. Et quelques jours plus tard, elle regrettera amèrement de ne pas l'avoir fait. Et vous regretterez aussi amèrement de ne pas l'avoir aidé. Vous devez donc ici pouvoir augmenter votre niveau de leadership lorsque vous voulez aider vos clients à prendre une décision. Par exemple, démarrer une relation d'affaires avec votre entreprise. Ou alors simplement décider de changer de vie. Il faut pour ça du leadership. prenez ici ce leadership et dites « Ok, on prend par la main, maintenant c'est ça qu'il faut faire. J'ai les données, j'ai les informations et je pense que c'est bon, c'est ça qu'il faut faire. » La personne prendra toujours la décision finale. Et vous devez avoir ce leadership ici de dire « Ok, on y va. » Et les personnes adorent parler, échanger avec les gens qui ont du leadership parce que vous avez une confiance, vous dégagez une confiance, vous savez où vous allez. Et on aime être guidé par les gens qui savent où ils vont. Dans n'importe quel domaine. J'adore personnellement communiquer, échanger avec des personnes qui incarnent le leadership. Et lorsque je fais appel à une personne dans un domaine totalement différent au mien que je veux découvrir pour pouvoir avancer, progresser dans une sphère totalement différente du business, eh bien, j'aime toujours faire face ou parler avec une personne qui incarne le leadership et l'influence. Parce que je me dis, si elle fait preuve de leadership dans sa vie, dans son business, elle doit sans doute être efficace, efficiente dans ses décisions. Ça m'arrange bien parce que je sais qu'elle prendra soin de l'objectif qu'on doit pouvoir atteindre ensemble. Et puis, cinquième raison, c'est votre identité. Votre identité, votre confiance et votre estime de soi. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous ne parvenez pas à convaincre suffisamment de personnes de faire du business avec vous, c'est peut-être que votre identité n'est pas suffisamment forte, n'est pas suffisamment gagnante. Vous n'êtes pas encore, en d'autres termes, vous n'êtes pas encore convaincu aujourd'hui que vous le méritez, que vous le valez au fond de vous, de façon inconsciente, ou que vous êtes déjà cette personne que vous rêvez de devenir. L'identité, c'est attaché à son image de soi, à son estime de soi, à sa confiance même en soi, de façon assez globale. Pour parler de ce propos, vous vous dites « Tiens, est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce que je mérite vraiment ce succès? Est-ce que cette personne, si elle me dit ça, elle me dit par exemple « Non, votre offre ne vaut pas grand-chose ou c'est un peu cher », est-ce que j'ai tendance à me remettre en question rapidement? Donc peut-être que mon identité n'est pas encore assez travaillée, n'est pas encore assez musclée. Lorsque vous travaillez votre identité, vous pensez à l'augmenter. Dites-vous simplement quelle est la version gagnante de moi-même lorsque j'aurai atteint tous les objectifs qui sont les plus importants pour moi. Je me projette dans quelques temps et je vois cette personne que je suis déjà au fond de moi, révélée. Imaginez-vous dans cet état et ramenez-le au présent. Quelle est l'identité que vous avez? Si vous décrivez en quelques mots l'identité, c'est quoi? Lorsqu'on vous dit par exemple, c'est peut-être un peu trop cher vos produits ou services, qu'est-ce que vous dites quand vous êtes déjà dans cette identité gagnante qui est déjà entourée de centaines de demandes, de personnes qui sont là, prêtes et qui sont convaincus de la qualité de ce que vous faites? Quelle est l'identité que vous avez au moment où vous pensez à cette version gagnante de vous-même? Quand ici, on vous dit par exemple que je suis pas sûr de telle chose, est-ce que vous n'êtes pas sûr qu'on devrait plutôt faire telle approche plutôt que je suis pas convaincu de ces points? Est-ce que vous vous remettez tout de suite en cause, en question, en vous disant est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi? Si c'est le cas, ça veut sans doute dire aujourd'hui que votre identité n'est pas encore assez musclée. Comme j'ai dit, pensez à cette identité gagnante pour pouvoir progresser. Vous voyez ici, on a vu ensemble déjà ici ces 5 points. Point, l'activité, manque d'activité, manque de connaissances, manque de compétences, manque d'influence et de leadership, et puis manque d'identité et de confiance. Comment faire maintenant pour pouvoir ici augmenter tous ces points? On va voir quelques points, quelques questions à vous poser. Et ce sont des questions en un mot ici que vous pourrez compléter pour pouvoir trouver des solutions à chacun de ces points. La première des questions à vous poser, c'est combien? Le nombre d'activités. Combien d'activités devez-vous avoir chaque semaine pour pouvoir convaincre le nombre de clients nécessaires pour pouvoir développer votre business, atteindre le chiffre d'affaires qui est important pour vous et créer cet impact dans la vie, dans le business des autres? Combien? Quel est ce chiffre ici en termes d'activités? Et lorsque vous avez trouvé ce chiffre, regardez dans votre planning la semaine, le mois qui vient de passer. Et si ce n'était pas le cas, projetez, plongez à la semaine en cours, celle-ci, et dites-vous, je dois arriver à ce chiffre. Combien? Première question. Ensuite, pour connaissance, quoi? Que devez-vous apprendre pour pouvoir justement vous améliorer? On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Si vous ne savez pas comment faire les bonnes actions, bon ordre au bon moment, eh bien, que devez-vous apprendre pour ça? C'est quoi? C'est la vente, le marketing, la stratégie, la communication? Ou alors vous manquez absolument de clarté. Et si vous manquez de clarté, demandez le conseil d'un expert pour vous aider à mettre de la lumière, pour savoir justement quelles sont les connaissances qu'il vous manque aujourd'hui. Je ne sais pas où vous en êtes actuellement dans ces recherches. Et parfois, peut-être que vous pensez qu'il vous manque ces éléments-là, et une personne à qui aura un recul pourra vous dire non, en réalité, c'est pas ça dont vous avez besoin d'autre chose. Je vous donne un exemple. Je rencontre des personnes qui pensent qu'il leur faut apprendre la technique, devenir des professionnels du webmastering. Donc, vont comme ça investir dans des formations pour apprendre à coder ou le HTML par exemple. Alors que leur seul objectif, c'est de développer leur expertise et partager à leurs clients dans leur cabinet, en face à face ou même à distance sur Internet. Et donc là, la connaissance qu'ils vont chercher n'est pas la bonne. Vous avez besoin de clarté. Et ça, c'est ce que ici, vous devez aller chercher. C'est une personne qui a un peu de recul qui pourra ici vous aider à voir. Ensuite, question suivante pour les connaissances. Cette fois-ci, c'est quelle Quelles sont les compétences que je dois avoir ou par moi-même ou en allant les chercher ailleurs? Parce que si vous-même n'avez pas forcément une compétence X en marketing, par exemple, vous pourriez, par exemple, engager quelqu'un pour pouvoir vous compléter. Et dans tous les cas, vous résoudrez cette équation de où vais-je chercher cette équation? Quelles sont les compétences dont j'ai besoin? Et là, identifier, c'est peut-être pour attirer les clients, c'est peut-être pour convaincre les clients, c'est peut-être de technique, une compétence technique qu'il vous faut. Mais ce n'est pas vous qui devez l'apprendre, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait vous l'apporter. Donc, quelles sont ces compétences? Ensuite, pour l'influence et le leadership, là, c'est comment? Comment augmenter? Comment améliorer? Comment améliorer l'influence? Comment influencer positivement dans un rapport équilibre gagnant-gagnant les personnes qui seront en contact avec mon entreprise? Et puis enfin, l'identité, là, c'est qui? Qui? Qui dois-je pouvoir être pour pouvoir justement me sentir en confiance, être gonflé, rempli, solide en termes d'identité? D'avoir une estime de moi au top, une confiance en moi au top, et de pouvoir ainsi aider les personnes, lorsqu'elles disent quoi que ce soit, à pouvoir avancer, prendre la plus grande décision de leur vie. De rester stable, posé sur mes deux jambes, et de pouvoir, avec confiance, savoir que j'ai une identité gagnante, la meilleure version de moi-même. Qui suis-je? Qui dois-je devenir? Ou qui dois-je révéler en moi pour pouvoir agir de cette façon-là? Et ensuite, ici, aider les clients à prendre la plus grande décision de leur vie. Dans cette vidéo, on a partagé ensemble ces différents points, 5 raisons pour lesquelles les clients ne disent pas oui dans votre entreprise. Vous ne parvenez peut-être pas à convaincre les clients. Ils sont ici dans le non et là, vous savez maintenant comment passer au oui. On a vu le nombre d'activités, les connaissances, les compétences, l'influence, le leadership et l'identité. Et les questions à vous poser, c'est combien, quoi, quel, comment et qui. En suivant ces différents points, vous parviendrez comme ça à améliorer plus de clarté dans le chemin dans lequel vous devez aller. Maintenant, si vous vous dites, mais Zico, moi, avec ça, c'est bien, j'aimerais en savoir plus, j'aimerais avoir un recul pour savoir où j'en suis et quels sont les points, les leviers sur lesquels je dois appuyer dans les compétences, dans les activités, je n'ai pas les chiffres clés, je ne sais pas tout ça. Si vous êtes dans le business de la transformation, comme j'ai dit, une excellente nouvelle, vous pouvez tout d'abord découvrir une présentation en ligne dans laquelle je vous montrerai le modèle de business qu'on utilise pour pouvoir attirer de parfaits inconnus et de la transformer en client de gamme. Vous voyez comment on arrive à convaincre simplement de façon très amicale. C'est-à-dire que vous allez voir de l'autre côté comment ça fonctionne en expérimentant vous-même le processus. Parce que tout est transparent et c'est un rapport équilibre gagnant-gagnant. Ensuite, deuxième bonne nouvelle, comme je vous ai dit, vous pouvez fixer un rendez-vous avec un de mes conseillers Kiaxx en regardant quelque part sur cette page. Et pour avoir avec vous, avec clarté où vous en êtes, ce qui est possible de faire pour pouvoir vous aider à avancer et à progresser. Fixez ce rendez-vous uniquement si vous êtes très sérieux dans votre business, dans le domaine de la transformation, coaching, consulting, dans le service, et que vous voulez apporter une vraie solution qui fait la différence dans la vie et dans le business des autres. Voilà mes passionnés de liberté, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie pour ça. Si vous l'avez apprécié, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, c'est au bas de cette vidéo, comme ça, ça prend 2 secondes, pouce vers le pouce bleu. Ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir ce partage en partageant cette vidéo, par exemple, il y a aussi la possibilité de la partager. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire, quels sont les points, selon vous, qui vous empêchent aujourd'hui de convaincre plus de clients parmi les 5 points que j'ai cités? Et si vous en avez d'autres, notez-moi au bas de cette vidéo, je serai très curieux de les lire et de pouvoir commenter, échanger avec vous. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, c'était Zico Kiaxx, à très bientôt, merci.